Mesdemoiselles, oui. Mesdemoiselles au travail. Rappelez-vous que Manola, la grande vedette de la chanson, vient essayer les robes qu'elle doit porter dans sa prochaine émission de télévision, Soleil d'Espagne. Tout est vrai, monsieur Maggie Jules. Je vous ai déjà dit 100 fois que ma maison s'appelait Maggie Florence. Oh. J'en suis à la fois le patron, oui. L'inspirateur, oui. Le modéliste, oh. Le poète et la muse. Oh. Florence, c'est moi, le roi de la couture. Oh, ah. Vous ne trouvez pas que ça fait tout de même un peu efféminé? Ça pourrait prêter à confusion. Et alors, j'adore la confusion. Plus on est confus, plus on rit. Oh. Tout de même, mon petit patron chéri, porter un prénom féminin quand on est un aussi beau mâle que vous. Oh, je vous en prie, mademoiselle Daphné. C'est pas parce que vous êtes le mannequin vedette et la directrice de ma maison que vous devez vous croire autorisée à me traiter de beau mâle. Mais enfin, patron chéri, écoutez, Maggie Jules, c'est bien vous. Oui, alors. C'est plutôt gentil, d'ailleurs. Oh, écoute, si tu l'écoutais, celle-là, elle voudrait m'épouser. Ma foi, nous ferions un si beau couple. Oh, un beau couple. Un homme et une femme, un beau couple. Qu'est-ce qu'il faut entendre, alors, bien sûr. Écoutez, au lieu de dire des insanités, vous feriez mieux de vous occuper des robes de Manola. Rassurez-vous, les essayages sont prêts. Très bien, mes enfants, c'est oui. Très important oui, bah, pour oui. Notre maison. Ah. Rendez-vous compte, Manola, la grande vedette de la chanson espagnole, a choisi Paris pour ses shows télévisés. Oh. Et qu'elle est le créateur de génie qu'elle a choisi entre tous. Qui moi. Maggie Florence, et tout ça grâce à mon talent. Et aussi à celui de Paco. Pas si fort. Tout Paco n'est que mon assistant. Officiellement, mais entre nous, mon petit Maggie Jules, qui crée les modèles, qui dessine les robes, qui a les idées. C'est Paco. C'est pas la peine de crier sur les toits. De toute façon, dans la dernière collection, j'ai beaucoup travaillé. Allons donc, comme d'habitude, c'est Paco qui a tout conçu. Oh, peut-être, peut-être, mais c'est moi qui taillais les crayons et qui passais les épingles. Il y a déjà 3 heures, Manolo va pas tarder à arriver. Et ce Paco qui n'est pas là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais je croyais qu'il n'était que votre assistant. Mais justement, si j'ai un assistant, c'est parce que j'ai besoin d'assistance. Oh, ce Paco, il mordra les nerfs. C'est bien simple, un jour je vais craquer, alors. Non. Oh, s'il n'était pas aussi beau garçon, celui-là, alors. Ne vous faites pas d'illusions. Vous savez bien que Paco n'aime que les femmes. Non, les femmes, je pense qu'on leur trouve, bonne femme. Bon, je vais voir ce que fabrique Paco. Celui-là, alors. Avec ses femmes, hein, des gonzesses. Oh silence, allons, Paco, mon grand. Ah, oh, c'est vrai, mademoiselle Daphné. Mais où est-il, Paco? Comme d'habitude, avec sa guitare. La vie change quand l'amour vient éclairer mon horizon. C'est étrange, c'est étrange. Une femme, je veux perdre la raison. La vie change car le monde prend la couleur de mes yeux. C'est étrange, c'est étrange. Une femme, je me sens le cœur en feu. La vie change, la vie change. Et je vais de fille en fille tour à tour. C'est étrange, chaque jour vient m'apporter notre amour. La vie change, la vie change. En m'offrant leur beau visage, leur prénom. C'est étrange, l'aventure chaque fois devient chanson. Quand l'amour vient d'éclairer mon horizon. C'est étrange, une fois que je veux perdre la raison. La vie change, car le monde prend la couleur de mes yeux. C'est étrange, une fois que je me sens. Thank you.
chansons. Oui, elle te plaît? Ah, beaucoup. C'est gentil. Oh, mais vous aussi, vous écrivez des chansons? Oui, pour m'amuser, entre deux créations de modèles. Ah, mais c'est qu'elle est très jolie, votre chanson, Merci. Paco. Oh, vous devriez la montrer à Manola. Vous croyez? Oui. Mais il paraît qu'il faut passer par Bob Stick, son producteur. On dit même qu'elle ne fait rien sans lui. Rien, rien. Sauf l'amour. Comment ça, sauf l'amour? Oh, il tire la langue depuis 6 mois. Il n'a aucune chance avec elle. Aucune. Ah bon? Mais dites-donc, vous semblez bien la connaître, vous. Oh, mais c'est de notoriété publique. Bon. Tout le monde le sait. Oh, pauvre Bob Stuck. Oh. En tout cas, mes enfants, moi, je veux vous faire un aveu. Oh. Dès que j'ai vu Manola à la télévision, je me suis dit, voilà la femme qu'il me faut. Oh, bien dit donc, s'il vous suffit pour avoir le béguin de voir une femme à la télé. Mais pas n'importe quelle femme, Manola seulement. Mon cher Paco, je ne voudrais pas vous refroidir, mais avec mademoiselle Manola, ce n'est pas dans la poche. Et pour ce qui est des admirateurs, elle refuse du monde. Ah oui, mais elle ne sait pas de quoi je suis capable. Je suis espagnol comme elle. Ouh, alors, nous verrons bien. Gare à la casse, elle sera là d'un instant à l'autre. Alors, il faut que je puisse terminer sa robe. Ah, dans cette robe, Manola sera encore plus belle. Oh. Aïe, Manola, Manola. Ouais. Oh. Ma parole, c'est plus un homme, hein. C'est un volcan en pleine éruption. Oh. Ce Paco, c'est pas possible, mademoiselle. Oui, passez Paco. En pleine éruption. Enfin, je veux dire, en pleine création. Ah, visiblement, Manola l'inspire. Mais il est fou. S'il croit qu'une vedette va s'intéresser à lui, un petit modéliste de rien du tout, tiens. Ah. Qui me doit tout, d'ailleurs. Oh. Tout. Tout, 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 tout. Tout l'honneur est pour vous. Je veux dire, vous êtes très flatté d'être chez nous. Enfin, je veux dire, je suis très flatté d'être chez vous. Oh, mais zut, je sens que je vais avoir ma crise. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, il a une crise toutes les minutes. Mademoiselle Manola, oui? J'ai tous vos disques chez moi. Mais c'est bien ça. Oh, dites-moi, pourrais-je avoir une photo, s'il vous plaît? Tout à l'heure, tout à l'heure, mademoiselle. Mademoiselle Manola, oui? Comment faites-vous pour être une si grande vedette? Oh, mais c'est très simple, mademoiselle. Je chante. Oh. Je chante l'amour, je chante pour les gens qui s'aiment. Je mets du soleil tout au long des jours, même quand on a des problèmes. Mes refrains, vous verrez de rêve. Pour moi, la vie est un bouquet de joie. Je mets du soleil tout au long des jours, je chante la vie et l'amour. Je suis née sous le ciel de Castille. J'ai poussé comme une fleur des champs. J'ai gardé les codes des aiguilles. On dansait lorsque j'étais enfant. Je chante la vie, je chante l'amour, je chante le cœur de l'Espagne. J'apporte à Paris un peu des faubourgs de Madrid et nos campagnes. Mes refrains, vous bercent de rêve. Pour moi, la vie est un bouquet de joie. Et voilà pourquoi, la nuit et le jour, je chante la vie et l'amour. Les modèles que mon génie créateur a imaginés pour vous. Oh, j'ai hâte de les voir. Je vous en prie.
Eh bien, mon petit père, la chaise. Merci, merci. Là, oh, faut que je fasse tout ici, ça monte. Mesdemoiselles, oui. Vous êtes prêtes pour le défilé? Mais il n'y a rien pour moi. Oh, mais c'est pas possible. N'insistez pas, ma chère Maggie, je ne prendrai aucune de ces robes. Mais la robe que j'ai créée pour vous, mademoiselle Manola, je suis sûr que vous la porterez. Vous avez créé une robe pour moi? Mais parfaitement. Je lui ai même donné un nom. C'est l'idée de votre émission de télévision, Soleil d'Espagne. Ah, mais c'est une charmante idée, ça. Maggie, oui? Et qui est ce jeune homme, s'il vous plaît? Personne. Enfin, presque personne. C'est Paco, mon assistant. Paco? Oui. Mais c'est un prénom espagnol, ça. Oui, comme vous, du sang espagnol coule dans mes veines. Je suis de Bilbao. De Bilbao? Et moi de San Sébastien? Mais nous sommes presque voisins. Oh, chère voisine, vous ne voulez pas essayer la robe que j'ai imaginée pour vous? Avec plaisir. Maggie? Oui. Je croyais que c'était vous, le grand créateur et le génie de la maison. Oui, mais enfin, de temps en temps, je laisse Paco dessiner quelques modèles pour lui faire plaisir. Mais c'est moi qui les inspire. Alors, vous venez la voir, cette robe? Tout de suite, et je suis sûre qu'elle va me plaire beaucoup. Oh, je l'espère de tout cœur. Venez. Je vous accompagne. Top secret! Ce Paco, quand même, quel culot! Quand je pense qu'il a eu l'audace de me demander de le prendre comme associé, bah mon vieux... En tout cas, patron, il a sauvé la commande. Sans lui, Manola serrait ailleurs. Je suis sûre que cette association... Jamais! Vous entendez? Jamais! La patronne ici, c'est moi! Et puis je sens que ma main grise, hein. Tout le monde va chercher mes selles! Tout le monde va chercher mes selles! Je sens que je suis faille, en fait, je suis encore moins tard que mes selles! Manola n'est pas arrivée? Elle revient dans un instant, mais je peux vous faire patienter. Je suis Daphné, la directrice et le mannequin vedette de la maison. Mais vous êtes Bob Stuck? Oh, écoutez, vous êtes un célèbre producteur de télévision, j'adore vos émissions! Vous êtes très aimable, mademoiselle, mais je suis très pressée, alors où est Manola? Dans une cabine, en train d'essayer sa robe avec Paco, le modéliste de la maison. Comment? Manola dans une cabine avec un homme? Rassurez-vous, c'est juste pour un essayage. Oh, je connais ça, les essayages, ça se transforme très vite en essai. Oh, que je n'aime pas ça, moi, que je n'aime pas ça! Et comment est-il, ce Paco? Très beau garçon, 30 ans, 1m85. Oh, que je n'aime pas ça. Un vrai tombeur, quoi. Oh, que je n'aime pas ça. Non, écoutez, dans ces conditions, je suis désolé, mais j'annule ma commande. Au revoir, mademoiselle. Enfin, on m'avait pourtant affirmé qu'ici, tous les hommes étaient... Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors ce Paco, 1m85, un vrai tombeur. Mais écoutez, on peut paraître un vrai tombeur et aussi être... Non, vous êtes sûr de ça? Absolument. La preuve, c'est qu'il a résisté à mes charmes. Et pourtant, j'ai des charmes, n'est-ce pas, monsieur Bob Stuck? Je dois dire que pour résister à vos charmes, il faut être très, et même très, très. Et moi qui ne suis pas du tout, j'ai envie de vous le prouver tout de suite. Voulez-vous que j'aille chercher Manola dans sa cabine? Non, il ne faut pas déranger son essayage, qu'elle prenne tout le temps qu'il faudra. Cher monsieur Bob Stuck, on m'a annoncé votre arrivée, alors j'ai pris mes petites jambes à mon cou pour serrer votre petite mimine. C'est très aimable à vous, monsieur... Maggie Florence. Enfin, Maggie Jules, pour les intimes. Oui, monsieur Maggie Jules est le patron de la maison. Paco est son assistant. Son assistant, vraiment? Oh oui, oui. Un assistant très attaché. Je vois une assistante... Ainsi, vous êtes assisté par Paco? Oui, il m'aide, en effet. Et si j'en crois la rumeur publique, il vous est très attaché. Ah, vraiment? On vous a dit ça? Mais oui, on ne peut rien cacher à Bob Stuck.
Eh ben, tous mes compliments. Faut pas exagérer, vous savez, Paco, il me... Enfin, voyons, patron, il vous mange des yeux. Il me mange des yeux? Bah, mes enfants, quelle aventure! Il mange des yeux, que ça me plaît, ça, que ça me plaît. Bon, moi, je retourne à mon bureau. Dites à Manola qu'elle prenne le temps qu'il faudra. Très bien. Il mange des yeux. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Mais elle, alors, mais qu'est-ce qu'elle me plaît? Mais qu'est-ce qu'elle me plaît? Bah oh, ce Paco tout de même. Merci, ma petite Daphné, de m'avoir ouvert les yeux. Alors, vous croyez vraiment que Paco est amoureux de moi? Mais bien sûr. Ah, mes enfants, quelle aventure! Je sens que je vais le prendre comme associé! Alors là, vous ne trouverez pas mieux! Oh, bah, tu comprends, vas-y, 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 vas-y! Oui, j'aimerais que ce soit plus long et dégagé. Ah, j'ai l'impression que votre robe vous a plu! En effet, elle m'a plu énormément! Je vais en faire beaucoup d'autres. Il suffit que je pense à vous, mademoiselle Manola, pour me sentir... Comment dirais-je? Pour me sentir inspiré. Et moi, Paco, quand je suis près de vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Un saco de patatas. Un quoi? Un sac de pommes de terre. Oh! Oh! Mon infarctus de la gavarde! Oh! Mademoiselle Daphné, voulez-vous faire le nécessaire pour que cette robe me soit livrée dès demain matin? Très bien, madame. Je vous la porterai moi-même. Paco, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Oh, mais c'est très facile. Je peux vous montrer comment. Ah, eh bien... Eh bien, montrez-moi. Ah ben Lulu, dépêche-toi! Ben voilà, j'arrive, patron! Ah, bonjour, patron! Et vous savez, l'hôtel de Manola, il est formidable, hein? Oh, oui, ça, elle a beaucoup de goût. Oui. Ah, alors, qu'est-ce que vous pensez de bonne idée? Complètement idiot, comme d'habitude. Non, mais c'est pas la peine d'avoir un bras droit pour qu'il soit aussi gauche, hein? Ah, non seulement je suis votre bras droit, mais je suis aussi votre ombre, votre alter ego, un autre vous-même. Ah ben c'est pas flatteur pour moi tout ça. Enfin patron, ce serait pourtant du jamais vu dans une émission de télévision. Imaginez-vous le décor. Le décor, une ferme, avec Manola en fermière. Non. Tu vois Manola en train de remuer le fumier? En train de marcher dans la bouse de vache? Non. Oh que ça me déplaît, ça, que ça me déplaît. Enfin patron, laissez-moi aller au bout de mon idée. J'ai pas le temps. Le temps c'est de l'argent et l'argent, je sais ce que ça vaut. Veau, vache, cochon, couvée, taureau. Taureau, tu l'as l'idée. Je l'ai. L'Espagne. Espagne. Mon émission s'appelle Soleil d'Espagne. Soleil d'Espagne. Manola est espagnol. Espagnol. Diego est espagnol. Espagnol. Alors je veux qu'on voit de l'Espagne partout. Je veux de l'Espagne dans les costumes. De l'Espagne dans les décors. Je veux de l'Espagne dans la musique. Je veux qu'on voit de l'Espagne. Je veux qu'on boive de l'Espagne. Je veux qu'on bouffe de l'Espagne. Aïe, 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 aïe. Voilà, mais Manola. Manola. Mais la formidable Manola, je la vois très bien dans Carmen. Mais oui, Manola dans Carmen. Alors voilà. Alors, elle arrive dans l'auberge avec un couteau entre les dents. Non, dans les cheveux, ça fait plus espagnol. Alors, elle aperçoit José et elle se jette à son cou. Ah! Mon rosé, je suis à toi. Mais prends mes cheveux, prends mon corps, prends mes lèvres, prends mes genoux, prends mes mollets. Mais prends-moi, José, je suis à toi, pas José. Mais ça vous prend souvent, vous? Ben, qu'est-ce qui me prend souvent, à beauté brune? Ben, c'est crise de folie. Ah non, j'étais en train de créer le climat de notre prochaine émission de télévision. Ah. Ah oui, mais il faut vous dire que je suis l'auteur favori de Manola. Alors justement, je quittais Bob Stuck quand soudain, l'inspiration m'a frappé de son aile. Vous voulez dire que vous êtes le bras droit de Bob Stuck? Oh là là, mais Bob Stuck ne peut pas se passer de moi. Vous savez que moi, j'écris les textes de ces émissions. Je choisis les chansons. J'engage les artistes. Bref, sans moi, Bob Stuck est un homme mort. Ah, je vois. Vous êtes son nègre, quoi. Ah non, son collaborateur, c'est différent. Mais ne vous défendez pas. Vous savez, moi, j'adore les nègres quand ils ont les yeux bleus. Et les auteurs, vous aimez les auteurs? J'adore les auteurs quand ils sont à la hauteur. Vous tombez bien parce qu'avec moi, je suis toujours à la hauteur. Alors c'est bon, madame. Mais dites-moi, mon ange blond, qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici? Eh bien, moi, je suis Daphné. C'est Daphné. La directrice de la maison Maggie Florence. Et j'apporte la robe de Manola. Elle apporte la robe de Manola. Est-elle chez elle? Elle est chez elle. Merci. Dites-moi, vous avez bien une minute?
Une minute, pas plus. Le temps de vous faire deux doigts de cour. Ah, seulement deux doigts? Ah, si vous insistez, j'en ajouterai un troisième. Oh, regardez, regardez, regardez comme le courant passe entre nous. Vous sentez, là? Elle tremble. Regardez, c'est du 220. Là, et là. Mais votre cœur! Mon cœur, il va tout faire sauter. Oh, à vous, ma moumoune. Oh, ma moumoune. Ma moumoune. Et dites-moi, vous n'êtes jamais en panne d'éclairage? Non! Car avec moi, c'est le courant continu. Oh, Daphné, j'ai une idée. J'habite un peu plus loin, au numéro 12, au deuxième étage. Hein? Ça ne vous dirait rien de venir fêter notre anniversaire chez moi? Mais quel anniversaire? Ben, l'anniversaire de notre rencontre. Ça fait déjà 5 minutes qu'on se connaît. Alors... D'accord, allez-y, je vous rejoins. J'apporte d'abord la robe de Manola. Waouh, c'est ça, le temps de préparer les petits gâteaux, le whisky, le lit. Le lit? Non, le lit. Le litre de champagne. Ça, par exemple, vous achetez champagne au litre, vous? Oui, c'est plus économique. Allez, hop, dépêchez-vous. Ok, je vole. C'est ça, vole ma poulette. La Daphné, c'est dans la pocket. Et chap, chagalagalachac. Poing, poing. Pardon, monsieur. Puis-je vous demander ce que vous venez faire ici avec une guitare? Et moi, monsieur, puis-je vous demander ce que ça peut vous faire, vous, sans guitare? Vous avez 20 cm de plus que moi, j'insiste pas. Hein. Je me présente, Lulu Michou, l'auteur favori de Manola. Oh, mais sans blague. Oui. Mais enchanté, monsieur. C'est justement elle que je viens voir. Et pourquoi voulez-vous la voir? Je suis Paco. Ah. Oui, je suis le dessinateur de la maison Maggie Florence. Oui, c'est moi qui ai dessiné la robe de Mademoiselle Manola pour l'émission de télévision. Vous dessinez les robes avec une guitare, vous? Mais non, mon vieux. Ça, c'est pour la sérénade. La sérénade, en plein Paris. Dites-vous, vous croyez en Espagne? Mais c'est comme si nous y étions. Et vous croyez que ça va marcher? Le coup de la guitare? Oui. Ça marche toujours. Oui, mais pas avec Manola, parce qu'elle n'est pas tombée de la dernière pluie, hein. Eh bien, moi, je tente ma chance quand même. Ben, sans moi, parce que moi, je suis pressé. J'ai rendez-vous avec avec ma mère. Voilà, je pense. Ah, saluez-la pour moi. J'y manquerai pas. Au revoir, monsieur. Maman! C'est la maman! Et maintenant, au travail. Paco, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pour moi, cette sérénade? Mais non, Fifi, pas cette fois-ci. Non, c'est pour Manola. Alors tu perds ton temps. Chasse gardée pour Bob Stuck. Moi, je reste optimiste quand même. Et bien, tant mieux pour toi. En attendant, moi, je me sauve. J'ai rendez-vous. Avec ma mère! Ah, je crois la connaître, ta mère! Dépêche-toi pour ne pas la faire attendre! Ta maman! Manola, c'est un nom qui m'enchante. Manola, c'est le nom de l'amour. Tu seras pour toute ma vie l'obsession troublante qui m'enivre et vient se glisser dans mon cœur trop lourd. Manola, bohémienne ou princesse, mon désir, c'est de t'avoir à moi. La vie n'est pour moi qu'un chemin maussade. Quand tu m'as apporté un brin de soleil, j'ai mis tous mes espoirs dans ma sérénade. Grâce à toi, ma vie chante la joie. Et désormais pour moi, rien ne sera Manola,
baiser. Je voudrais que cette chanson toujours t'accompagne, qu'elle soit le fruit merveilleux de tous nos baisers. Chanson te dira mieux que moi que tu es l'horizon de mon âme, Manola. Tu ne seras. Ce que vous avez chanté là. C'est en pensant à vous, Manola, que je l'ai composé. Vous savez que vous avez du talent. Oh, dites plutôt que j'ai une inspiratrice qui me donne du talent. Avec vous, c'est facile. Les mots viennent tout seuls. C'est vrai, dans une chanson, on peut dire n'importe quoi. Non, Manola. Dans une chanson, on peut avouer des choses qu'on n'oserait pas dire autrement. Alors, les paroles de cette chanson? Ce sont les mots dont mon cœur est rempli, Manola. Je ne voudrais pas vous croire. Mais j'ai envie de vous croire quand même. Vous donnez la sérénade à toutes les femmes, n'est-ce pas, Paco? Oui, mais à partir d'aujourd'hui, je n'en donnerai plus qu'à vous. Depuis hier, en pensant à vous, j'ai écrit plusieurs chansons. C'est vrai? Oh, mais je serais curieuse de les connaître. Mais c'est très facile. Venez demain chez moi. J'habite à Montmartre, tout près de la place du Tertre. Je vous attendrai sur la place. Mais je n'ai pas dit que je viendrai. Sans doute. Et moi, je vous attendrai quand même. Hasta mañana, querida. Esta mañana. Manola, jolie fleur de l'Espagne. Manola, tu seras mon amour. Un rêve de soleil et de beauté.
Manola m'a dit que vous faisiez de très bonnes chansons. Ah, merci. Et ça, ben, ça m'intéresse pour nos émissions. Ah oui, mais c'est à elle que je vais les faire entendre. Je l'attends d'un instant à l'autre. Bah, écoutez, Paco, je vais vous dire quelque chose avec ménagement. Manola ne viendra pas. Voilà, je le dis avec ménagement. Et moi, je tiens le pari qu'elle viendra. Non, écoutez, elle m'a téléphoné pour me demander de regarder vos chansons. Vous voyez bien qu'elle ne viendra pas. Eh bien, moi, je l'attends quand même. Je suis optimiste. Vous êtes gentil, mais vous êtes têtu, vous, hein? Oui, je suis basque. Oui, ça se voit. Mais dites-moi, pendant ce temps, la maison de couture, qu'est-ce qu'elle devient? Ah, ça, je m'en fiche. Ils s'en fichent. Oui, j'ai autre chose en tête. Écoutez, Lulu, pour moi, il n'y a que Manola qui compte. Bah, écoutez, en attendant, hein, montrez-moi vos chansons. Ça, c'est facile. Elles sont chez moi, tout près d'ici. Bah, allez les chercher. D'accord, mais vous, vous me guettez Manola. Oui. Et si elle arrive, vous dites que je reviens de suite, hein? Je lui dirai. Ah, ces Espagnols, hein. Quel tempérament, waouh. Tout à fait comme dans Carmen, hein. La belle de Calix a les yeux de velours. Ça va? C'est pas le même auteur, hein. Non, attendez, voyons, Carmen, c'est l'âme, la, l'amour est enfant de Bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, prends garde. Ça y est, ça le reprend. Tiens, mon gardien des tropiques. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le patron qui m'envoie chercher Paco. Il est furieux de son absence. Oui, mais écoute, si tu veux mon avis, il n'est pas prêt de le récupérer, hein. Bah oui, c'est à cause de Manola. Il en est dingue. Ah, c'est ça, l'amour. Toi-même, n'es-tu pas folle de moi? Dis donc, toi, c'est pas la modestie qui t'étouffe. Je suis conscient de ma séduction, voilà tout. Et la preuve que je suis séduisant,
c'est que je t'ai séduite. Est-ce que par hasard tu te crois le seul homme sur terre? Oui, pour toi j'en suis le seul. Tu dois en aimer que moi. Oh. Alors détrompe-toi, mon petit. J'aime les garçons, les bruns, les blonds, les petits, les grands, les noirs, les blancs. J'aime les garçons, j'aime leur façon de me dire bonjour, de me faire la peau. J'aime tout en eux, leur bouche, leur cheveux et leur tempérament de bleu. J'aime leur corps quand ils sont forts. Moi, l'amour n'est quand même pas. J'aime les garçons, les polissons, les doubles durs, mais Bill, merci. Au revoir, à bientôt. Dites-moi, allez me chercher un demi bien frappé, s'il vous plaît. Bon, dis-moi, alors si je comprends bien, tu me mets dans le même sac que les autres, hein. Je me demande même si Paco n'est pas aussi sur ta liste. Dis donc, pour qui tu me prends? Vous n'avez jamais rien fait ensemble? Si. Eh ben voilà. Mais c'était juste un copain. Oh ben voyons. Justement, à propos de Paco, j'ai un petit service à me rendre. Tout ce que tu voudras. Ah, alors écoute, oui? Si Bob Stupp te demande si Paco aime les femmes, oui? Tu lui dis qu'il ne les aime pas. Tu lui dis qu'il n'aime que les hommes. J'ai dit qu'il... Mais c'est dégoûtant ce que tu me demandes là. Enfin voyons Lulu, Bob était jaloux comme un tigre de Paco. Ah, alors bon? Pour le rassurer, j'étais obligée de lui raconter ça. Sinon, il annulait sa commande. Alors, je peux compter sur toi, mon petit Lulu? Quand on s'aime, on doit céder? Bon, en échange, tu vas revenir prendre un verre à la maison. Allez hop. Encore? Comment encore? Mais ma parole, tu as bouffé du lion! Oui, je suis ton lion superbe et généreux. Allez, hop, viens ma poulette. Et la mission que m'a confiée Maggie Jules? Ah ben ça tombe bien, tiens, il s'en chargera lui-même. Il est en train de monter la rue Le Pic. Oh là, sauvons-nous. Je ne tiens pas ce qu'il nous trouve ici. Viens, on y va, file, on y va, on y va, allez, on y va. Oh! Qu'est-ce que c'est haut, mon martre, alors? Ils auraient pu mettre à l'ascenseur, quand même. Bon, je vais me reposer un peu la boîte à ouvrage. Mademoiselle. Oui? Vous n'avez pas vu Monsieur Mendoza? Mendoza? Je ne connais pas. Paco Mendoza! Ah, Paco! Mais fallait dire tout de suite, mon petit père! Oh, je vous en prie, mademoiselle, ce n'est pas votre petit père. Est-ce que j'ai une tête de petit père? Oh, bah oui, alors vous avez raison. J'aurais dû dire petite mère. Oh, insolente! Écoutez, Paco, vous avez de la chance. Tenez, le voici, justement. Au revoir, cher monsieur. Lulu! Lulu, voici vos chansons. Tiens! C'est moi que vous venez voir? Je suis bien obligé, vous avez disparu. À cause de vous, toutes les commandes sont en panne. Moi, je suis amoureux. Je ne peux plus travailler. Oh, c'est vrai qu'il est amoureux, ce grand garçon! Comme je ne l'ai jamais été. Bravo! Vous avez raison, ça marche! Dites-moi, mon petit Paco, racontez-moi tout. Alors, c'est le coup de foudre? Oui, c'est ça. C'est le coup de foudre. Oh, mes enfants, quelle aventure! Mais alors, il n'y a plus aucun obstacle entre nous. Nous pouvons nous associer. Mais voyons, patron, c'est très gentil à vous, mais je ne vois pas pourquoi. Mais si, j'y tiens beaucoup. Mais avant, vous ne vouliez pas. Mais avant, c'était avant, maintenant, c'est maintenant. C'est mon cadeau pour la corbeille de mariage. Vous allez un peu vite, nous ne sommes pas encore mariés. Oh, mais... je sens que ça ne serait tardé. Ah, parce que vous croyez vraiment que Manolo y consentirait?
Mais qu'est-ce qu'elle doit faire là-dedans, Manola? Je vais tout de même pas l'épouser sans son consentement. Ah, parce que quand vous parlez d'épouser, il n'est pas question de... Vous êtes amoureux de Manola? Ah, parce que vous, vous croyez que c'était de vous. Vous auriez pu tomber plus mal. Mille regrets, mais je n'aime que les femmes. Ça m'étonne pas. Il n'y a plus que de vrais hommes. Pauvre France. En tout cas, monsieur Mendoza, veuillez considérer comme nulle ma proposition d'association. Ben ouais. Et soyez demain à 9h à l'atelier. Vous avez compris, monsieur Mendoza? J'ai compris, mademoiselle Marie-Florence. J'y serai. Quant à vous, laissez-moi seul. J'ai rendez-vous. Avec Manola? Vous avez deviné. Très bien, très bien. Je me retire avec dignité, mais je n'en pense pas moins. Quelle époque, mon Dieu, quelle époque! Vivement la révolution, tiens. C'est de l'autre côté, la rue. Ah oui, c'est passé de l'autre côté. Madame. Bonjour, Maggie. Manola. Bon, voilà, enfin, mais je vous attends depuis ce matin. Oh, je ne voulais pas venir. Non. J'ai résisté, j'ai lutté tant que j'ai pu, j'ai essayé de ne pas penser à vous. Et puis je suis venue quand même, voilà. Oh, mais voyons, Manola, mais au contraire, il faut penser à moi comme je pense à vous. Bah, vous savez pourtant que rien n'est possible entre nous. Oui, vous avez raison. Rien n'est possible entre nous. Nos chemins s'éloignent l'un de l'autre. Oui, ils s'éloignent l'un de l'autre. Nous n'avons pas le droit de rêver à ce penchant. Nous n'avons pas le droit d'y penser. En somme, tout nous sépare. Vous l'avez dit, tout nous sépare. Seulement voilà, ici nous sommes à Montmartre. Et à Montmartre, on a tout le droit. C'est vers toi que l'on revient toujours. C'est aussi la gaieté populaire qui a fait venir le monde entier. On y vient de partout se distraire, on y vient pour chanter et danser. Mon marteau, par le soir du 14 juillet. Tu vas filer au but de Chaumont et tu vas veiller aux derniers préparatifs. Ah, patron, vous pouvez compter sur moi. Vous savez de quoi je suis capable. Oh oui, je sais. C'est bien ça qui m'inquiète. Cette fois-ci, je ne veux pas d'incident technique pendant l'émission. Ah, bah, écoutez, patron. Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique. Mais dans quelques minutes, vous verrez la suite de notre programme. On dirait une mini-femme. Aujourd'hui, je suis d'excellente humeur. La preuve, je t'ai même pas engueulé depuis ce matin. Vous n'êtes pas malade au moins? Mais pas du tout. Seulement, je suis très satisfait. Je sens que mon émission va battre tous les records au box-office. Et je sens qu'avec Manola, je touche au but. Ah, c'est vrai, patron. Réunir sur une même affiche Manola et Diego Suarez, waouh, c'est super. Et réunir dans un même lit Manola et Bob Stuck. Tu crois pas que c'est également super? Vous emballez pas, patron, on n'y est pas encore, hein. Oh, c'est comme si c'était déjà fait. Non, mais quand je pense que j'ai pu me faire du souci à propos de ce Paco, parce que j'étais bête, alors... Oh, mais qu'il était bête, il était bête, mais qu'il était bête. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Maintenant, vous ne vous en faites plus, hein? On n'en a plus du tout, je vais même te dire mieux. Moi, je suis content que ce garçon habille Manola. Ah oui, mais dites-moi, si pour l'habiller, il doit d'abord la déshabiller. Tu l'as dit, sacré farceur, avec lui, je sais que je risque rien. Non, mais vous savez, patron, moi, ce que j'admire le plus chez vous, hein, c'est votre flair. Ah oui, ça, on me la fait pas, moi. C'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Et bientôt, il y aura aussi quelque chose là-dessus, là. Comme je te le disais, je sens qu'aujourd'hui, cette journée est pour moi une journée historique. Oh. Il ne peut m'arriver que des choses agréables. Oh. Oh, que tout ça me plaît, mais que tout ça me plaît. Voilà Diego, notre grande vedette. Et voilà, Diego Suarez, the biggest star in the world. Ça va, Diego, on fait à Paris, mais toujours en pleine forme. Comme là, et comme à la fois qu'il tue, et je chante. Ça va, Diego? Oh, madame, prenez. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Comment? Quoi? Non, j'ai pas compris, là. Quoi? Quoi, la voix? La voix, elle est foutue. Mais alors, mon émission aussi, elle est foutue. Non, patron, on va faire une annonce. Le public de la télé, il a l'habitude, hein. On lui annonce une émission avec les Beatles, et quelques minutes après, on lui refile les Tiffins. Alors, et mon honneur de producteur, qu'est-ce que tu en fais, alors? Foutou, non. Mais ça, vous pouvez pas tomber à fond dans une émission de Guy Lux ou de Gilbert et Marie Carpentier, non? Oh, je suis sûr qu'il fait exprès pour m'embêter, hein. Dites, patron, aujourd'hui, votre flair, hein, il a dératé. Hein. Ouais, ça, j'ai plus qu'à me tirer une balle dans la tête, moi. Ah non, la tête, c'est là. Ouais, ben, je sais plus où j'ai la tête, ah, bah, moi. Ah oui, ben oui, c'est... Ah, ah, mon petit pop, vous avez de la veine, mes robes sont merveilleuses et Manola est emballée. Il faut que je vous embrasse. Ah, vous la vieille folle, foutez-moi la paix pour un vin, hein. Parce qu'il est brutal, c'est encore un vrai homme, ça vous savez. Eh bien, mon petit Bob-tuc, chéri, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Pourtant, l'émission s'annonce bien. Ah oui, ça, l'émission s'annonce bien, elle s'annonce même très bien. Diego est à fond et il faut que je supprime mon émission. Mais il n'en est pas question. Et mes robes de la France entière attend avec impatience. Je vous ai déjà dit de me foutre la paix avec vos guenilles. Des guenilles, oui. Il appelle ça des guenilles. Je suis crucifié. Patron, j'ai une idée. Mauvaise, mais dis toujours. Un docteur. Un docteur pour soigner Foutou. Pour soigner Diego. Un docteur, bien sûr, un docteur. Mais quel docteur? Oh, j'en connais un formidable. Un as. Le professeur Duglandar. Bien sûr. Oh, ben ça, j'en suis certain. Hein. Grâce à ses soins, Plastique Bertrand a pu chanter Faust. Le rôle de Marguerite, évidemment. Puis sans micro. Alors là, si ton toubib a fait chanter Plastique Bertrand sans micro, c'est pas un as, c'est un génie. Foutou, son adresse, vite. 407 rue de Vaugirard, allez-y de ma part. J'y vais, suivez-moi. Voilà. D'accord, j'arrive. Mais ils sont énervés et tout. Merci, mon petit Lulu, merci. Si, vous avez sauvé l'émission, Vera Miron. Dis-moi, c'est vraiment un bon otorino, ce professeur Duglandar? Ah, pas du tout, non. Mais qu'est-ce qu'il est, alors? Vétérinaire. C'est moi qui fais tout, ce qui se joue chaud. Je suis le meilleur des meilleurs. La télévision, zion, c'est ma vocation, zion, et pas un de mes supérieurs. Quand j'écris, je fais tous les rôles. Et je ris tellement qu'ils sont drôles, ouais. J'ai plus d'un atout, beaucoup de bagogo et l'esprit vraiment créateur. C'est moi qui fais tout, les gens suis sur les genoux. Je suis un auteur, un auteur. Oui, c'est moi qui fais tout, mais les 400 cocos, je suis le meilleur des meilleurs. J'ai tellement d'idées, j'en suis débordé, et parfois ça me fait un peu peur. Faut avoir l'esprit d'à propos pour pouvoir parer aux accros. Hey, c'est moi qui fais tout, je suis un peu fou, je suis le meilleur des meilleurs. C'est moi qui fais tout, hey, c'est moi qui fais tout, je suis un auteur à la hauteur.
que c'était très joli tout ça. Hein. Allez, allez vous reposer pendant 5 minutes. Hein. Tenez-vous prêts pour le final, ok? Bon, allez, hop, à nous maintenant. Ça va? Oh ben dites, vous étiez plus en forme tout à l'heure, ça va? Oui! Voilà, j'aime ça. Bon, non, n'oubliez pas que vous participez là maintenant à une émission publique, hein, à la télévision, ok? Oui! De toute façon, vous n'avez pas payé, vous avez tous des invitations. Ça va, ça se voit. Bon, alors, bon, les cadreurs, là, pour la 1, la 2, la 3 et la 4. 5 minutes de pause, ok? Sandwich pour tout le monde et coca, pas cher. Bon, alors, Jean-Pierre! Jean-Pierre, tu m'envoies l'éclairage de service, là, je te prie. Ok, bon, Jacques, pour le son, c'est impeccable. Il s'en fiche, mais enfin, je te le dis quand même. Bon, Charlie, l'orchestre impeccable, formidable. J'ai écouté tout à l'heure, formidable, balance terrible. Bon, dis-moi. Oh non, mes enfants! Non, c'est pas vrai, écoutez, c'est pas vrai, hein! Non, c'est pas possible, votre truc, hein! C'est le cirque, hein! Quoi, y a pas de rodéa, hein! Ça fait 3 jours que je répète dans ce décor. Je vous ai dit, ce décor, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, le décor. Alors, c'est moi qui vais le finir, il n'y a personne. Bon, j'y vais. Ah ben oui, mais vous êtes marrants, vous, mes enfants. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça meuble. Bon, Boulmé. Oui, monsieur. Ah, quand même quelqu'un de poli à cette maison. Bon, on va reprendre les spots publicitaires quand Bob Suc sera là. Oh, crotte alors. Y a pas de crotte, c'est comme ça. On va essayer cette porte. Il faut qu'elle soit ouverte, la porte. Il faut qu'une porte soit ouverte et fermée, voilà, mais là, elle est ouverte. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais dans ce costume? De quoi ça? Ben, c'est pour les spots publicitaires, parce qu'ils sont tous axés sur les produits espagnols. Eh bien, dis-moi, Manola n'est pas là? Elle est en train de passer sa robe. Oui. Toujours pas de nouvelles de Bob et de Diego? Non, toujours pas. Mais tu sais, moi, je suis tranquille, parce que, avec mon vétérinaire, hein, il est pas prêt de récupérer sa voix. Dis-moi, tu sais pourquoi je l'ai envoyé chez un vétérinaire? Non. Alors là, c'est ma surprise, j'ai mon idée. Tu vas voir tout à l'heure. Oui, mais tu sais que quand Bob s'apercevoit que tu t'es payé sa tête, oui, il est capable de te flanquer à la porte. Oui, mais comme sans moi sur l'émission, il fout tout, elle est foutue, il me réengagera aussitôt. Écoute, moi je le connais, hein. Entre son porte-monnaie et son orgueil, il n'hésitera pas. Bon, écoute, chérie, tu vas m'attendre à la régie avec Jean Hénin, puis je te rejoins, hein. Très allez, bien, vas-y, mon ange. Bon, dis-moi, maintenant. Oh, vétérinaire! J'ai du boulot. Non, mais dis! Tu le sais que tu m'as envoyé chez un vétérinaire? Je me suis trompé, j'ai confondu. T'es confondu, hein? Une histoire de fou. Le vétérinaire a d'abord demandé à Diego d'aboyer. Ensuite, il lui a fait faire le beau, il lui a donné un sucre. Et pour finir, il m'a demandé s'y remuer la queue. Évidemment. Ça n'a qu'un lointain rapport avec les cordes vocales, hein, c'est pas. Mon émission est dans le lac, mais toi, je te fous à la porte. À la porte? C'est dommage, parce que moi, j'étais en mesure de sauver votre émission. Attends, qu'est-ce que tu racontes, là? Ah, mais ça m'intéresse, maintenant, que tu attends. J'ai trouvé un remplaçant à Diego Suarez. Tu as trouvé une vedette comme ça en 5 minutes, mais c'est pas possible. J'ai pas dit une vedette, j'ai dit un remplaçant, un chanteur surprise que nous allons révéler au public. Mais il adore ça, le public. Vous adorez? Oui! Ils adorent. Et qu'est-ce qu'il vaut, ton chanteur surprise? Là, écoutez, faites-moi confiance. De toute façon, c'est lui ou la suppression de l'émission. Calculez ce que ça vous coûterait, la perte d'argent. Évidemment que si tu me prends par les sentiments... Bon, alors je suis réengagé? Oui. Oups. Mais attention, hein. Oui. Si tu te fiches de moi encore une seule fois, je te casse la gueule. Et alors ça me plairait. Mais ça me plairait, ça. On reprend le tournage. Attention les cadreurs, tout le monde en place. Les caméras prêtes à tourner. Attention, Jean-Pierre, plein feu, s'il vous plaît. Et mon merci. Micro. Mais mon micro. Pas tout faire. Bon, allez. Voilà les micros, patron. Allez, patron, je vais demander le moteur, hein. D'accord. N'oubliez pas, patron. Patron, n'oubliez pas. Le sourire à la télé, toujours, hein. Comme si j'avais le cœur à la rigolade, moi, enfin. Et voici, Monsieur Sourire, Bob Stuck. Rappelez-vous notre devise, sourire d'abord. Et c'est avec le sourire que dans quelques instants, j'aurai le très grand plaisir de vous présenter la grande chanteuse espagnole de la chanson, Manola. Mais en attendant, voici quelques messages publicitaires qui eux aussi nous viennent d'Espagne. Et rappelez-vous notre devise, sourire d'abord. À toi, Andouille. Quand vous prenez un café, demandez un café au lait. Si vous allez en Espagne en car,
n'aimez pas la paella, allez vous faire cuire un œuf. Et maintenant, voici le prince du rire, le roi de la bonne humeur, Monsieur Sourire, voici Bob Stuck. Et rappelez-vous notre devise, sourire d'abord. Et c'est avec le sourire que j'ai le très grand plaisir de vous présenter notre grande vedette, Manola. Allez tous ensemble là. Manola. Voilà. Chanteur surprise, qu'est-ce qu'il fabrique? Et le chanteur
Divine. Hey. J'entends fantôme ou quoi? Non, patron, on me dit qu'il est avec Brigitte au maquillage. Ah bon, très bien. Mais comment ça, un chanteur surprise? Mais ça n'est pas Diego qui chante avec moi ce soir? Mais vous auriez pu me prévenir quand même. Mais ne t'énerve pas, Manola. On lui a trouvé un remplaçant très bien. Remplaçant? Oui. Et vous pensez que la Manola, elle va chanter avec n'importe qui? Ah ben Manola, mais tu sais, d'abord, c'est pas n'importe qui, hein. Et moi, je suis sûr que tu vas être ravi de chanter avec lui. Ah, vous croyez? Ah, oui. Eh bien, j'en ai assez de vos manigances derrière mon dos. Et ce soir, je ne chanterai pas. Je suis fatiguée. Manola. Oh, c'est pas le moment de faire le gugus, hein? Non, parce que j'ai pas eu le temps ce matin, alors je suis là. Dites, patron. C'est marrant, hein? Chaque fois qu'elle se met en colère, elle reprend l'accent espagnol. C'est marrant. Et maintenant, voici Bob Stuck. Rappelez-vous notre devise, sourire d'abord. Vous savez que dans cette émission, Diego Suarez devait partager la vedette avec Manola. Malheureusement, un fâcheux mal de gorge le retient au lit. Mais rassurez-vous, celui que vous attendez, ou plutôt que vous n'attendiez pas, vous le fera vite oublier. Voici donc qui... Le voilà! C'est un sauvage! Non! Que vous admirez, c'est ma petite tête qui les a imaginées et c'est ma petite bague qui les a cousues. Qu'est-ce qui vous arrive à vous, espèce de vieille dingue? Quoi? Mais dis-moi, on revient, je parle de mes robes, personne n'en parle. Mais allez en parler ailleurs, ici, au travail. Vous ne parlez pas sur ce lieu. Et voici Bob Stuck. Rappelez-vous notre devise, sourire d'abord. Sont interdits sur le plateau. Allez bosser. Allez bosser. Et toujours dans le plaisir du direct. Voici Paco. Paco. Il y a toujours du soleil. Oh,
Alors, vous voulez bien de moi comme partenaire? À partir d'aujourd'hui, je n'en veux plus d'autre. Oh, quelle joie! Un tel bonheur! Ça s'arrose. Vous permettez? Lulu! À toi! Qui c'est ce Paco? Paco? Ben, c'est le modéliste de la maison Maggie Florence. Alors, ma petite Manola, qu'est-ce que tu penses de ces quelques jours de vacances dans mon moulin du Pays Basque? Ah, c'est très agréable, mais je me demande si c'est bien raisonnable. Oh. Avec tout le travail que nous avons pour notre prochaine émission, je pense que nous devrions rentrer tout de suite à Paris. Mais on peut très bien préparer l'émission d'ici. C'est pour ça que j'ai fait venir Lulu. Et puis, tu avais bien besoin de quelques jours de vacances avec moi, non? C'est très gentil, mais nous avons tellement, tellement de travail. Oh, mais écoute, on travaillera plus tard. Oh, être enfin seul avec toi, tu sais, que ça me plaît, que ça me plaît. Moi. Allons, Bob, sois raisonnable et travaillons. Oh, mais on travaillera plus tard, sans... Enfin, écoute, Manola, j'ai fait de toi une vedette. Eh bien, si tu le veux, je ferai de toi une vedette plus grande encore. Tu auras tout ce que tu voudras, des bijoux, des autos. Oh là là, tu m'offrirais tout ça? Mais tu es bien généreux, soudain. Eh oui, enfin, c'est le public qui paiera, mais c'est pareil. Vois-tu, il suffit pour ça que tu m'aimes. Ça doit pas être bien difficile d'aimer un homme comme moi. Alors tu crois vraiment, Bob, être l'homme qui correspond à tous mes rêves? Ah, mais ça, j'en suis convaincu. Mais à quoi est-ce qu'il ressemble, l'homme de tes rêves? Eh bien, écoute la chanson qu'a écrit pour moi, Lulu. Oui. Tu vas voir. L'homme qui saura me plaire aura au fond de ses yeux et tant de douceur, tant de fièvre que je donnerai mes lèvres à cet homme même. Sans l'homme que pour l'homme.
petite Manola, on m'avait jamais parlé comme ça. J'ai tout compris. Tu as tout compris? Eh bien, tu as de la veine, tu sais. J'ai compris que j'étais ton idéal. Eh bien, sois heureuse, je suis tout à toi. Tu es tout à moi, en détail ou en gros? Les deux. Des pieds à la tête. Allez, te gêne pas, va, serre-toi. Mais je crois qu'en ce moment, c'est toi qui ne te gêne pas. Patron, les premiers rapports d'écoute pour l'émission sont formidables. On a fait tout. Tu vois pas que tu gênes, non? On est en pleine répétition. Vous répétiez avant que je vous laisse. Mais pas du tout, pas du tout. Nous avions terminé, n'est-ce pas, Bob? Bah, c'est-à-dire que moi, j'espérais que lui... Là, oui, on vous demande au téléphone. Ah, je te laisse, Bob, bon, à tout à l'heure. Lulu, à toi de répéter avec lui maintenant. Allez vite, mademoiselle, vite. Espèce d'imbécile, va. C'était dans la poche qu'il a fallu que tu arrives. Ouais, excusez-moi, patron, je pouvais pas savoir. Hein. Oh, tu sais jamais rien. Ah, et alors, ces rapports d'écoute? Oh, ils sont excellents. Ah bon? Notre chanteur Paco, il a beaucoup plu. On trouve qu'il fait un beau couple avec Manola. Ah bah tant mieux, je vais encore améliorer cette image de marque. Manola et Paco, le chanteur idéal. Oh, bravo, patron. Vous avez toujours des idées formidables. Ah bah forcément, moi, je suis très intelligent. Mmh. Mais il y a une chose qui me gêne, cependant. Je voudrais pas que le public se doute que Paco est... Ah non, patron, alors, écoute-moi, pour la presse, tu vas me fabriquer une belle histoire d'amour entre Manola et Paco. Au besoin, on les fera même dîner quelquefois ensemble. Waouh, c'est génial, ça! On pourrait même les faire partir ensemble en week-end, tous les deux. Ben, pour une fois, t'as une bonne idée, toi. Ils pourraient même habiter ensemble. Ils pourraient même... Ah non, non, faut quand même pas tenter le diable. Quoi qu'avec lui, je sais que je risque absolument rien. Ah ben, oh, que ça me plaît, tout ça, moi. Ah ben, que oui, ben, ça écoutez, me... patron, je... Comment vont mes deux amours? Daphné, mon seul amour. Ben, qu'est-ce que tu fais là? La vieille folle n'est pas avec vous, j'espère. Rassurez-vous, je lui ai faussé compagnie. Nous étions à Biarritz, Maggie, Julie et moi, pour une présentation de mode. Comme j'ai appris que vous étiez ici. Alors, j'ai laissé Jules, j'ai fait demi-tour, et le voilà. Et la voilà. Daphné, il faut que tu nous dises pour lequel de nous deux tu es revenu. Parce que moi, je ne peux plus continuer à vivre dans le doute. Mais enfin, c'est une question stupide, ça, entre nous deux. Le choix est vite fait, n'est-ce pas, ma petite Daphné? Mais pourquoi choisir quand il y en a pour un? Il y en a pour deux? Oui, ben, oh, ben, même s'il y en a pour deux, moi, j'en réclame la plus grosse part, j'y ai droit. Oui, mais c'est toujours pareil, vous êtes le pas... Le téléphone. Pas le téléphone. C'était Paris. Oui. Notre télé est dans le lac, notre émission est dans le lac. Il n'y a que toi qui peux arranger ça, Bob. Il faut que tu files tout de suite à Paris. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais oui. Rentrer à Paris, te laisser toute seule, mais ça me plaît pas du tout, ça, moi. Mais je ne suis pas toute seule. Il y a Daphné. Et puis ma mère doit arriver aujourd'hui. Ah bon? Si ta mère doit arriver, c'est différent. Bon, ben, j'ai un avion dans une demi-heure. Lulu va m'accompagner. Oh, au revoir, ma petite Manola. Je serai de retour avant que tu aies eu le temps de t'ennuyer. Ah, j'en suis sûre. Viens, Lulu. Wow. Oui, patron, une seconde, parce que j'ai pas... Allez, Lulu. Oh, que ça me déplaît, ça, que ça me déplaît. Allez, vite. Au revoir. Au revoir. Oh là là, je croyais qu'il ne s'en irait jamais. Mais avec ce qui lui arrive, il était bien obligé. Mais il ne lui arrive rien du tout. C'est moi qui ai tout inventé. Mais comment ça? J'ai marché. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de votre mère qui y arrive? C'était pour m'en débarrasser. Vous savez qui était réellement au téléphone? Paco, je parie. Gagné. Il m'appelait d'une cabine téléphonique du village et il sera ici dans un instant. Oh, mais dis donc, ça carbure drôlement entre vous. Comme vous dites, oh, Daphné, Daphné, comme je suis heureuse. Mais c'est merveilleux d'être amoureux. C'est extraordinaire. C'est un pays des cocagnes, entre la mer et le ciel, juste à deux pas de l'Espagne. C'est un pays de soleil, c'est dans le sud de la France, un si joli paradis que jamais dans l'existence, chacun de nous ne l'oublie. Terre, bien des enfants sont partis
et dans des villes étrangères, on trouve de nous d'ici. Mais après bien des voyages, quand vient le soir de leur vie, c'est pour revoir leur village, ils s'en retournent au pays. Les idées dans ma piscine. Allez. C'est moi que tu es venu voir ou ces demoiselles? Ah, Manola, chérie. Enfin, je te retrouve. Oh, quelle folie d'être venu me retrouver jusqu'ici. Ah, je ne pouvais plus rester loin de toi. Oh, si tu savais comme je suis heureuse de te voir. Mais si Bob apprenait la vérité. Ah, de toute façon, c'est moi qui le lui dirai. Je ne veux plus te partager avec d'autres. Oh, tu es fou, mais j'adore ça. Tu adores ça? Oui, oui. Eh bien, je te jure de rester fou toute ma vie. Tu es sûr d'aimer la même femme toute la vie? Oui, si tu es cette femme. Et toi-même, tu es sûr que ce n'est pas un caprice, Manola? Bob, Paco, regarde-moi bien. Et tu liras la réponse dans mes yeux. Ah, Manola, querida. Tu te rends compte? Ça va faire la une des journaux. Manola se marie. Mais c'est une nouvelle sensation. Tout le monde va croire que c'est un coup de publicité. Tu te rends compte, mon impresario? Ah, je n'aime pas beaucoup ça. Manola. Oui? Si on se mariait sans rien dire à personne, rien que nous deux. Ah, c'est une idée merveilleuse, mais tu crois que nous pourrons échapper à tous les journalistes? Ah, ça, je te promets qu'aucun journaliste au monde ne m'empêchera de t'enlever. Tu te rends compte, Manola? À quoi tient notre bonheur? Eh oui. Tout simplement à une robe. Oui, une petite robe qui a changé toute notre vie. La vie change, la vie change. Dès qu'on pense avoir trouvé le grand amour, c'est étrange, avant toi rien n'existait jusqu'à ce jour. La vie change, désormais mon univers, ce n'est que toi. C'est étrange, car je t'aime comme on est. Une fois, la vie change, la vie change. Dire où elle va? J'ai fait acheter des cigarettes. Oh, je vous en prie, Daphné, cessez de me prendre pour un idiot. Enfin, écoutez, patron. Mais qu'est-ce que je suis malheureux, alors? Mais qu'est-ce qui vous explique? Alors, c'est pas qu'on disparaît sans laisser d'adresse. Après, c'est mon mannequin vedette qui m'abandonne. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être aussi malheureux, pour que personne ne m'aime, pour que tout le monde m'abandonne? Oh, si je m'en tenais pas, je me roulerais par terre de désespoir. Oh, oh, je fais rimel. Mais c'est un gros chagrin, ça, madame. Oh, oui. Ça se croit abandonné.
On a un homme, non? Oh non! Comment ça? On n'est pas un homme? Eh bien tant pis, pour une fois, il faut pas faire semblant. Madame! Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais avec un homme sur les genoux? Ma femme, voyons, c'est pas un homme, c'est Maggie Jules. Oh. Ah bon? Mais comment je suis traitée ici, moi? Alors? En plus, je me suis escapé les cartilages du ministre. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sens que ma bêtise! Ça, je sens que ma bêtise! Bon, Lulu. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais dans l'avion de Paris avec Bob. Eh ben, on l'a raté. Alors Bob a téléphoné à Paris à son bureau et son bureau lui a répondu que la télé marchait très bien, quoi. Et personne ne comprend ce qui s'est passé, il faut pas en faire un fromage. Tout va très bien. Et Bob, il ne comprend plus rien, lui, hein. Oui, mais où est Bob en ce moment? Il est en train de chercher Manola. Il est d'une humeur de chien. Oh là là, ce retour, quelle catastrophe! Pourquoi une catastrophe? Mais parce que Paco est là. Paco est là? Mais bien sûr. Et où? Mais dans le pavillon du fond du jardin avec Manola. Il est dans le... Voilà, j'ai une idée. Okay. Voilà, écoute, tu vas rester ici, hein, et tu vas empêcher Bob de chercher Manola. En aucun prix, il faut que Bob aille dans le pavillon. Ça va pas être commode. Bah ça, ça m'est égal. Écoute, tu vas le retenir par n'importe quel moyen. Tu entends? N'importe quel moyen. Même par mon moyen habituel. Même celui-là. Tant pis pour mon honneur. C'est pas ça, moi, que je n'aime pas ça. Manola, pardon. Manola! Mais pas si fort, vous allez la réveiller. À 4 heures de l'après-midi. Manola! Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer, moi? J'ai visité toute la maison, elle est introuvable. Enfin, elle est tout de même pas devenue invisible, non? Qui sait? Il y a des choses tellement incroyables qui arrivent dans la vie. Des choses tellement inexplicables. Tenez. Les fantômes, par exemple. Vous y croyez aux fantômes? Ma petite Manola, je suis pas d'humeur à plaisanter, hein? Enfin, écoutez, il y a tellement longtemps qu'on ne s'est vu. Ne me quittez pas si vite. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a à peine une demi-heure. C'est une demi-heure qui m'a paru un siècle. C'est vrai? Vous vous ennuyez tant que ça quand je suis pas là, moi? Ah, vous ne pouvez pas savoir. Don Juan. Oh, quel dommage que j'ai pas le temps, mais une autre fois peut-être, hein. Mais pourquoi renvoyer au lendemain? Eh oui, oh que c'est tentant. Oh mon Dieu, que c'est tentant. Non, non, je dois penser à Manola. Mais... le pavillon. Non, 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 n'y allez pas, surtout pas. Pourquoi elle n'est pas seule? Si, non. Hein? Si, si, elle y est avec sa mère. Sa mère? Eh bien, j'ai justement quelque chose de très important à lui demander, moi, sa mère. Ah, ben dites-moi, ça tombe bien, justement, la voici. Madame? Oh! C'est sa mère, ça? Oui, oui. Mes hommages, madame. Je les accepte des grands cœurs. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Pardon? Dans le grand monde, on bessouille. Vous pouvez me faire un petit béco, fille. Mais j'ose pas, moi. Oh, mais foncez, mon petit bonhomme, foncez! Qu'est-ce qu'il est timide pour son âge, hein? Vous ne trouvez pas que Manola lui ressemble beaucoup? Les oreilles, peut-être. Oh, non, patron! Mais regardez, elles ont le même sein gauche. Oh. Mais Manola, c'est mon portrait tout crassé. D'ailleurs, quand elle était petite, c'était une vraie garçon manquée. Tout à fait comme moi. D'ailleurs, dans quelques années, elle sera exactement comme je suis maintenant. Espérons qu'elle me raisonne. Ainsi, señora, vous êtes espagnol. Ah oh, non, c'est pas espagnol. Non. Oh non, 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 oui, 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 je suis espagnol. Madame, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vas-y, mon mignon. Ah oui, 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 demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous voulez que je vous accorde une petite PC? Non, 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 voilà, chère madame, je suis très riche, oui. Je suis très célèbre, je suis très intelligent. Aussi ai-je l'honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. Ma fille, mais c'est pas des filles. Ah oui, 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 oui
Oui, alors... Je suis maire. Oui. Si vous m'aviez connu quand j'étais enceinte. J'ai porté en bas et en avant de régler le Concorde, alors. Enfin, écoutez-moi, c'est oui ou non? C'est oui de grand cœur, ta mettra à mon cendre. Eh bien, on dira ce qu'on voudra, hein. C'est quand même beau, la famille. Ah, que c'est pour la famille, dans la vie, rien ne vaut ça. Avec leur fils et leur fille, voici maman et papa. Le grand-père et la grand-mère, les neveux et les cousins. Les cousines, le beau-frère, la mère et le parrain. Pour la famille, tous on se ressemble un peu. Même nez, même cheville, même bouche, même yeux. Les cousins et les ministères, c'est par eux qu'on les retend. Et par l'oncle de Bagnère, on est tous un peu Gaston. Pour la photo, du bambin qu'on déshabille jusqu'au vieux dans ton gâteau. Il y a aussi, faut qu'on y pense, les bâtards de grand-papa et tous ceux dont la puissance nous charrie sur les bras. Vous verrez comme elle sera gâtée, votre Manola. Oh, mais j'espère bien que vous gâterez aussi sa maman, car sa maman, elle aime beaucoup les gâteries. Ne craignez rien, vous ne serez pas oubliés. Oh, elle en a de la chance, c'était Manola. C'est qu'il est bel homme, hein? Très bel homme. Mais signora, attention, c'est votre gendre. Et alors? Il y a très longtemps que je suis fort. Daphné. Et quand je suis près d'un homme, je me sens troublé, très troublé. Il y a la place sur la terre qui me démarre et tout. Et c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ben, la belle-mère, c'est pas un cadeau, hein. C'est plutôt le genre pot de colle. Enfin, heureusement qu'elle habite le fin fond de l'Espagne, comme ça j'aurais pas souvent l'occasion de la voir. Mais quand même, quel alors, numéro, hein? Bon, je viens de voir Lulu, ça s'est tout arrangé, ça. Bah oui, c'est pas grave, hein? J'ai rien compris, c'est une bêtise d'une secrétaire, sans doute. Oh, oh, oh. Tu sais, Manola, j'ai compris une chose. J'ai compris que tu ne pouvais être que la femme d'un seul homme. Tu as compris ça, Bob? Eh bien, tu vois, je n'osais pas te l'avouer. Mais puisque tu l'as compris, tiens, je suis tellement contente qu'il faut que je t'embrasse. Oh. Ah, tu es bien comme ta mère, toi. Ma mère? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Ben, elle est comme toi, il faut qu'elle embrasse. Mais tu as vu ma mère? Ah oui, une femme charmante, un peu bizarre au premier abord, mais très aimable. Elle n'a fait aucune difficulté pour m'accorder ta main. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Bob? Enfin, ma mère, elle est dans le sud de l'Espagne. Je sais bien, mais elle devait venir, c'est toi-même qui me l'as dit. Alors j'ai profité de l'occasion, je lui ai demandé ta main, et maintenant, nous voilà fiancés, toi et moi. Ben, je vois que tu n'as rien compris du tout, Bob. Je vais être très brutale avec toi. Bob, je ne t'aime pas. Oh, mais c'est pas grave, ça. Ça finit toujours par s'arranger. Mais j'aime notre homme, j'aime Paco. Tu aimes Paco? Alors oui. Alors ça, c'est la meilleure. Tu aimes Paco? Enfin, toi, tu l'aimes peut-être, hein? Mais lui, les filles, pas question. Ah, mais je te prie de t'expliquer, hein? Mais enfin, mais Paco, mais il est... Hein? Qu'est-ce qu'il est? Ah non, tu ne veux pas dire qu'il est comme ça? Mais c'est de notoriété publique, avec son patron, là, cette vieille folle de Maggie Jules. Enfin, crois-tu que si je n'avais pas été au courant de la situation, je t'aurais laissé seul avec lui? Allons. Alors, tout ce qu'il m'a dit, et puis toutes les chansons qu'il a écrites pour moi, mais... Ce garçon veut devenir vedette, c'est un arriviste, alors il t'a joué le grand jeu, c'est classique. Ah oui. Eh oui. Eh bien, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, moi.
quand je pense qu'il a osé venir me relancer jusqu'ici. Comment, il est ici? Oui. Mais alors toute la famille, ta mère, ta tante. Mais comment quelle tante? Mais pas quoi? Manola! Manola, regarde. J'ai cueilli pour toi la plus jolie rose du jardin. Au fait, tu as parlé avant? C'est plutôt lui qui m'a parlé. Mais quelle importance, puisque tu es libre. Ah, ça, pour être libre, je n'ai jamais été aussi libre. Mais voyons, Mariam, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, ce brusque changement? Moi, changer? Oui. Vous trouvez? Mais vous avez tort. Je n'ai pas changé du tout. Je suis toujours la Manola. Mais tu me vois à présent? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la plaisanterie est terminée. Vous avez vraiment cru que j'allais tout quitter pour vous? Voyons, Manon, mais ressaisis-toi. Tu vas pas me dire que tu n'étais pas sincère. Pardonnez-moi, mon ami, mais j'avais besoin de me distraire. Un caprice de star, quoi. Oh, et puis c'était excellent pour la publicité. Oh, j'ai peut-être poussé la comédie un peu loin, mais maintenant je ne joue plus. Manola, non, non, je ne peux pas le croire, je ne peux pas te croire. Je vous en prie, n'en faites pas trop, vous vous consolerez très vite. Jamais. Après toi, il n'y aura pas d'autre femme. Pas d'autre femme? Alors ça, je veux bien le croire. Si une femme a pu me tromper à ce point-là, c'est bien fini. Je suis sûre que vous ne renouvellerez pas l'expérience de sitôt. Vous vous consolerez avec Maggie Jules, voilà ouais. Tout. Parce que tu crois que j'aurai le courage de retourner pour dessiner des modèles. Dessiner des modèles ou autre chose, je ne sais pas moi. En tout cas, tu te trompes. En effet, je me suis beaucoup trompée ces derniers temps. Mais maintenant, c'est terminé, Paco. Terminé! Adios, Paco. Adios. Manola. Manola, ce n'était qu'un beau songe. Tes regards, tes baisers, tes serments. Manola, ce n'était que mensonge. Et je pars pour toujours. Les aéroports, c'est fatigant, alors. Si vous portiez vos valises, ce serait encore plus fatigant. Je vous ai déjà dit que de porter des colis, ça me donnait de l'urticaire. Lulu! Oui, patron. Ah, bon, tu as les gardes d'embarquement? Oui, oui, dans ma poche. Bon, mais Manola n'est pas avec vous? Non, non, à la dernière minute, elle a préféré prendre le train. Oh, non. Et elle avait besoin d'être seule. Mais alors, finalement, elle a pris au sérieux cette histoire avec Paco? Oh, un homme et une femme ensemble, c'est pas moral. Je vais enregistrer les valises, je reviens dans un instant. Eh bien, moi, je viens justement de croiser Paco. Il prenait l'avion pour Malaga. Quoi? Mais il est fou! Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et il m'a dit aussi que pour lui, la couture, c'est fini. Si j'ai bien compris, vous a laissé tomber. Bon, hein. M'en parlez pas, c'est un ingrat. Ce que je comprends pas, c'est que Manola soit pas aperçu que Paco était... Alors ça, moi, je l'ai vu tout de suite. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais jamais Paco n'a été comme ça! Hélas! Écoutez, n'essayez pas de me faire marcher, hein. Je suis très subtil, moi. Oh, non. Je vous en prie, hein. Sur ce terrain, j'en connais un brin. Et quand je dis un brin, je me comprends. Non, écoutez, Maggie a raison. Mais Paco n'est pas du tout... Mais alors, pas du tout, hein. Paco n'est pas du tout. Ah, non. Mais alors, il était vraiment amoureux de Manola. Hein, tout ce qu'il y a d'amoureux. Et Manola était amoureuse de lui. Ben, voyons. Oh, que je n'aime pas ça, moi, que je n'aime pas ça. Oh, ce Paco, si je le tenais. Et toi, dis donc. Tu t'es bien fichu de moi. Moi, si je vous avais pas dit ça, hein,
Vous n'auriez pas voulu de lui dans l'émission. Mais j'avais honte de ce que j'avais fait, il fallait que ça sorte et maintenant, waouh, ça va mieux. Ça va mieux, hein? Ouais, ouais, ouais. Et si je te flanquais à la porte? Faites donc, je vous en prie. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer, monsieur, que je ne suis plus votre souffre-douleur. Vous voudrez bien, dorénavant, vous adresser à moi respectueusement. Dans cette attente, encore une, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Je pense. Ben ça, non, mais... Monsieur Bob Ostu est demandé au téléphone au bureau d'information. Non, ce que c'est, Lulu? Ah ben Lulu, téléphone! Oh, bonhomme. J'ai dit respectueusement. Respectueusement, bon, très bien, j'ai pas de temps à perdre. Cher monsieur Michou, voulez-vous avoir l'extrême obligeance d'aller répondre au téléphone? Avec plaisir, monsieur Bob Ostu, on y va. Et voilà. T'as vu ça, hein? C'est la révolution, ça. Oh, m'en parlez pas, on peut plus se faire servir, alors. Eh bien, mon petit Bob Ostu, vous avez fait une tête. Bon, y a de quoi, tout va de travers. Lulu s'est mis dans la tête que je devais lui parler respectueusement, et il paraîtrait que Paco n'est pas du tout... C'est vrai, j'ai eu tort de vous faire croire ça, mais... Autrement, vous auriez annulé votre commande. Oui, évidemment. Mais alors, il est vraiment pas du tout... Alors là, pas du tout. Bon, ben j'ai compris, quoi. Tout le monde s'est fiché de moi. Ah non, sauf moi. Enfin, pas tout à fait. De comment ça? Mais la maman, c'était moi. Pas mes bras, mon sang. Ça, c'est le bouquet. La maman, c'était la tante. Oh, patron, c'est formidable. C'est votre bureau qui téléphonait. Le standard, paf, il va exploser. Oh, évidemment, on a reçu plus de 100 000 lettres depuis l'émission au sujet de Paco. Tout le monde réclame une nouvelle émission avec le couple idéal Manola et Paco. Yeah! Les Américains nous proposent une série de 52 émissions. C'est la fortune. Oh, que ça me plaît, ça, que ça me plaît. Oui, oui, mais Paco est à Malaga. Maintenant que vous savez que Paco n'est pas... Comme ça, vous n'allez pas le remettre en présence de Manola. Enfin, n'oubliez pas que c'est la femme de votre vie. Ma petite Daphné, des femmes de sa vie, on en trouve à l'appel. Mais une vedette qui vous rapporte 52 émissions avec les Américains, ça, ça vaut de l'or. Mmh. Ah oui, ah oui. Et votre cœur, qu'est-ce que vous en faites? Cher monsieur, l'épaisseur de mon portefeuille m'empêche d'entendre les battements de mon cœur. Bon. Tu vas filer. Oh, pardon, j'oubliais. Cher monsieur... Non. Écoute, étant donné les circonstances, oui, nous nous dispensons mutuellement de respect. Bob, je t'écoute. Bon. Eh ben écoute, tu vas filer à Malaga, tu vois Paco, tu lui racontes n'importe quoi, tu lui fais des excuses, tu lui dis que je vais lui ramener Manola, dis lui ce que tu veux, oui. Mais il faut absolument qu'il soit là pour mon émission, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Vous voulez dire une question de dollars? C'est la même chose, dis-lui que je triple son cachet. Mais je meurs, je... Lulu, tu n'as pas le droit d'échouer. Non, non, non. Il faut que je puisse présenter à mon public Manola et Paco, ou moi, je m'appelle plus Bobstu. Bah écoute, je prends l'avion demain matin pour Malaga, et alors le Paco, hein, le Paco, je te la ramène mort ou vif. C'est ça, d'un vif. Et moi, je dessine les robes de la prochaine émission. Évidemment. Oh, qu'est-ce qu'il est chou! Il faut que je vous embrasse. Que tout ça me plaît, que tout ça me plaît. Ah bah non, ça me plaît pas. Bon. Alors, patron. Oui, oui, oui. Pas de complexe. Ça ne sort pas de la famille. Ah que c'est pour la famille, tous on se ressemble un peu. Même nez, même cheville, même bouche et même yeux. Les cousins du Finistère, c'est par eux qu'on les prenons. Et parlons de manière qu'on est tous un peu gazon. Et la tante, et la tante, et la tante qu'on oublie. Manola? Oui? Vous paraissez si triste. Vous pensez encore à Paco, n'est-ce pas? Oui. Manola, il faut que je vous dise la vérité. Je ne peux plus me taire. Paco n'est pas du tout ce que vous croyez. Il aime les femmes. Il n'aime que les femmes.
Mais vous en êtes vraiment sûr? Absolument. Et alors pourquoi Bob m'a-t-il fait croire une chose pareille? Mais parce qu'il y croyait lui-même. Bob était jaloux de Paco à cause de vous, alors je lui ai fait croire que Maggie, Jules et Paco... Enfin, vous me comprenez? Vous avez fait ça, Daphné? Oui. Mais pourquoi? C'était pour sauver la commande de nos robes. Oh, excusez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi, mais j'étais prisonnière de mon mensonge. Oh, je ne vous en veux pas, Daphné. Et puis, voyez-vous, de toute façon, il est trop tard. Paco est parti pour Malaga, je ne le reverrai jamais. C'est fini, Daphné. Mais qui sait? Il vous aime, lui aussi. Et puis, Lulu est partie à Malaga pour lui dire la vérité. Mais Paco ne me pardonnera jamais. C'est un basque, il est fier. Il m'en voudra toujours d'avoir douté de lui. Non, c'est fini, Daphné. C'est fini. Vous pleurez. Oh, Daphné, ne pleurez pas, puisque je vous ai pardonné. Allez, soyez heureuse. Adieu, Daphné. Adieu, Lola. Je voudrais que cette chanson toujours t'accompagne, qu'elle soit le bruit merveilleux de tous nos baisers. Manola, mon amour et ma flamme, ma chanson dira mieux que moi que tu es l'horizon de mon âme. Manola, tu ne seras qu'à moi. Si j'ai douté de toi, je t'en prie, pardonne. Je suis revenu, c'est que je t'aimerais. Et moi je t'aimerais, et bien mieux qu'un maison. Manola, quand l'amour vivra, nous aurons toi et moi le bonheur et la joie. La vie change. La vie change, dès qu'on pense avoir trouvé le grand amour. C'est étrange, c'est étrange, avant de voir et d'exister jusqu'à ce jour. La vie change, désormais mon hiver, ce n'est que toi. C'est étrange. Thank you.
vous préparer pour le final. Allez, non, vous restez, vous êtes prêts. Ouais. Attention le moteur. Et voici Bob Stuck. Je vous rappelle notre devise, chers amis, toujours sourire. Et c'est avec le sourire que nous terminons notre émission Soleil d'Espagne. Au cours de cette émission, vous avez eu le plaisir d'applaudir les ballets dynamiques de Juan Gaístos. Était dû à notre grand couturier Maggie Jules, autrement dit Maggie Florence. Ses modèles lui étaient inspirés par la grâce et la beauté de son mannequin vedette, Daphné. De l'émission était due à la plume alerte de mon bras droit, Lulu Michou. L'émission était produite, présentée et commanditée par Bob Stuck. De notre émission que seul Bob Stuck a pu réunir était le couple idéal, Manola et Paco.